Salut YouTube, nous voici dans une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 9 de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. On a quand même plutôt bien avancé, j'ai fait toutes les missions possibles pour l'instant de la quête principale. On a une petite mission pour aller chercher un docteur qui s'appelle Emmerich qui voudrait discuter avec nous. Donc on va aller le voir dans cet épisode. Si je peux en faire un peu plus, je ferai, mais ce qui serait bien, c'est de ne pas dépasser une heure, je pense, de jeu. Donc on verra, vu que les missions, elles traînent en longueur, en général, c'est un peu compliqué de faire deux ou trois, même quatre missions, c'est quasi impossible en un épisode. Mais c'est pas grave, on va le faire. Donc, on va faire si c'est possible. Donc, il faut que j'aille ici, vous voyez, la quête, elle est en jaune. C'est une quête secondaire, mais secondaire principal qui te dé... enfin, qui te débloque les quêtes principales. Donc on va savoir pourquoi c'est une quête secondaire. Il faut que... Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a un passage ici. Attendez, ici, ici, là. Là, il y a un passage. Donc en vrai, le mieux, c'est ici. Comme ça, on peut... on n'a pas besoin de faire tout un détour pour passer à travers des postes et tout. Nickel. Ah, je voulais voir, attendez. Attendez, attendez. Avant de faire l'émission, je voudrais voir si je peux améliorer mon sniper. C'est Mother Base. Est-ce qu'on va à la Mother Base en vrai? Je sais pas si ça vaut le coup d'aller à la Mother Base. Armes et objets. Alors. Non. C'est cette arme. Donc là, on a des dégâts supplémentaires. Si ça, c'est pas bon, bah oui, je crois en direct, évidemment. Je veux l'équiper, oui, effectivement. Et ah, je pourrais avoir le MD qui a plus de dégâts, plus de portée. Lunettes x4. Ça m'a l'air pas mal, ça aussi. Chargeur 5 coups. C'est incroyable. Waouh! Par contre, lui, il a aucune pénétration. Moins de dégâts et à moins de tout. Pourquoi on voudrait ça? Parce qu'après, ça devient un vrai sniper de malade. Non, ça reste nul. Je comprends pas pourquoi on perd autant de dégâts pour rien. Bonne nuit, Zinax. Ça marche. Faites de beaux rêves. À la prochaine. Merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Et pas. Hein. Il faudrait que ce soit niveau 24. Ouais, bon, on va rester sur ça. Hein. Et puis, bah, derrière, il n'y a rien d'autre. Tac. Je vais faire la mission secondaire et c'est parti. Clac, clic, clouc, hop, hop, et c'est parti. Allez, cette fois je prends 18 h. On va voir ce que ça change réellement. Dans mon avis, pas grand-chose, mais. Le sniper, c'est quand même chaud à utiliser, hein, parce que si un mec est en mouvement, c'est quasi impossible de le toucher. Peut-être que ça serait plus facile à la souris en vrai, hein. Alors, la question c'est, on est où? On est là. Donc c'est à droite qu'il faut aller.
C'est parti. Normalement, il n'y a aucun risque jusqu'à la mission. Et vu que c'est une mission secondaire, ça veut dire sûrement que la mission elle est quand même beaucoup plus courte en termes de temps. En tout cas, j'espère. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse avancer l'histoire et qu'on comprenne un peu plus qui sont les personnages qu'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. J'espère que je me suis pas trompé. Porte médicinale, où ça? Où ça? Où ça? Bah, où? Où? Putain, mais il les voit et il me dit rien, quoi. Il me dit pas où elles sont. C'était là, non? Non, c'est encore un peu plus loin. Ouais, bah, c'est pas bon. Ah, c'est plus bas. M'y repérer, ok. Le but c'est de passer, voilà, c'est de passer exactement ici, nickel. Et là on passe dans la petite gorge. Wouhou! C'est quoi ça? Il y a des ressources? D'accord, mais du coup on peut pas passer par là. Et merde. Et mince, mince. Pourquoi? Non. Pourquoi ils ont pas mis un truc sur la map? Du coup, faut que je fasse tout le tour. C'est un enfer. T'as vraiment là, c'est Kojima, t'es. Je te déteste là. Là maintenant, tout de suite, là, je te déteste. Vraiment. Parce que là, j'en ai pour 10 minutes pour au moins faire le tour. Et encore, je suis même pas sûr que je peux passer sans me faire voir. Enfin, je sais même pas où je suis. En fait, faut que je suive la route et que je fasse tout le tour là. Pour ensuite arriver là. Ça veut dire qu'il faut que je passe par ce truc-là. Faut que je passe par ce truc-là. Celui-là. Avant d'arriver à la quête secondaire. Oh, c'est un enfer. Au pire, sinon, ce que je fais, c'est que je retourne à l'hélico et je l'appelle et on va ailleurs. Ouais. Mais il faudrait relancer la mission, je pense, après. Oh, c'est la galère. Bon. Là, c'est le moment où je déteste le. J'ai voulu être malin. Et les développeurs, ils ont fait, bah en fait, on a prévu que sur cette mission, tu allais faire ça, donc on a fait en sorte que tu puisses pas. Franchement, c'est abusé, hein. Tu vois, vous savez, c'est dans ces moments-là où je me dis, les développeurs sont vraiment des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des flûtes de Pan, quoi, tu vois. Et en fait, ils sont pas là pour te donner envie de jouer, quoi. Ils veulent pas te donner envie de jouer. Ils veulent juste que tu joues à leur jeu de la façon dont dont ils voulaient que tu joues. Ils veulent pas que tu innoves plus que ça, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est terrible. Parce que là, j'aurais skip tout le danger pour aller à la quête. Donc j'aurais eu le danger que de la quête. Et Kojima, il a fait. Non, 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 non. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Alors, là, vous voyez, cet endroit est obligatoire. Donc il faut que je passe par là. Et c'est un endroit hyper dangereux. Donc on va suivre le petit chemin là qui passe à côté. Et il y a grande chance que je me fasse pas repérer. Après, elle a pensé quand même à des trucs comme ça. Mais bon, franchement, ils auraient pu être cool, quoi.
passer par le chemin détourné, hein. Oula. Oula, est-ce que je vais me faire fumer? Non, je veux juste passer, moi. Bah, je ne fais que passer, les gars. Ah bon? Ah, parce que là, je suis déjà très loin. N'empêche, le système de radio de ce jeu est vraiment incroyable, hein, parce que t'as tout le temps envie de lire le truc qui est écrit pour savoir ce qui se passe dans le jeu. Ça, c'est vraiment le. C'est bien pensé quand même. Par contre, courir comme ça pendant 10 minutes. Bon. Ils auraient pu faire en sorte qu'on ait D-Horse et D-Dog en même temps. Hein. Alors là, faut encore que je passe à côté. Ouais, faut encore que je passe à côté. Donc c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ok. Donc là, on va encore passer dans les petits chemins. En tout cas, c'est quand même bien. Ce qui est quand même bien, c'est que on n'est pas de stamina. On peut courir autant qu'on veut. Là, par contre, là, il y a vraiment un plaisir. Peut-être qu'un jour il faudrait que je fasse des strandings. Mais bon, simulateur de marche, je suis pas sûr que ça me plaise plus que ça. Déjà que je me fais bien chier dans ces phases de gameplay. On va aller à droite. Là, j'ai pas trop trop le choix. Parce que je crois qu'il y a un pont. Attends, là ouais, je vais droit vers les ennemis. Mais je peux continuer à côté. Okay, ils vont peut-être me cramer, hein. Je vais quand même prendre mon arme, on sait jamais. Ils m'ont pas vu. C'est limite, hein. C'est très très limite. Et j'en suis où là? Ok, il y a encore une base à passer et après on a l'objectif. Ouh! Oh, il y a eu le temps que la nuit elle passe et que le jour se lève quand même. Hein. Là, ils m'ont bien. Je me suis fait avoir. Hein. C'est par là. Hein. Oui et non. Bon, attendez 2 secondes. Le temps il passe pas quand on fait ça. Ah si, il passe, hein.
Le temps y passe. Et il est 22 h pour dans le jeu. Ok. Quand il y a de la lumière comme ça, c'est pas bon signe. Mais d'où il m'a vu? Genre tu regardes le derrière tout le monde. J'ai regardé mais je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de voir dans quel de quel côté il regardait. Bon, de toute façon, j'avais pas trop le choix. J'aurais pu prendre un chemin plus safe, hein. Mais c'était déjà ultra safe. Ultra sécurisé. Waouh, les arcs, elles sont stylées. Ah, il y a un sniper. Moi aussi, j'ai un snipe, hein. Qu'est-ce qui se passe? Point de contrôle. Oh! Drapé dans le silence. Ah bah voilà, bah on est sur la quête principale. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Dior. Je sais pas où je dois aller, hein. Je vous le dis. Et le sniper, c'est impossible de l'avoir. Vu à quelle vitesse il a tiré, j'ai pas le temps de viser et de tirer. Donc je l'aurai jamais. J'essaie de suivre ce que le jeu essaye de me dire. C'est-à-dire reste dans l'ombre, reste bien caché. C'est comme si le jeu m'avait dit il y a un chemin à suivre. Tout seul, sans rien dire. Et naturellement, j'ai envie de le contourner. Et le jeu me le permet. Et là, le jeu, il me dit, bon, t'as trop contourné. Je sais pas exactement ce que je dois faire, hein. Ok. Est-ce qu'il faut que j'arrive à le prendre
C'est quoi l'objectif? Ah, il faut le battre. Ok. Et je fais comment pour monter là où il est? Ou peut-être qu'il faut que je monte là? Mais je le vois pas. Donc il faut que je trouve un endroit où aller. D'accord, c'est bien ce que je pense. Elle est tragécible. Elle est là. Moi, je suis là. Ah non, elle est là, elle. Zero visibility. If you can't mark them, you don't stand a chance. Stay sharp. Ah ouais, d'accord. C'est une catastrophe. Je sais pas où elle est. Je l'entends courir. Hein. Ah ça. Ok, plus qu'une balle. Oh non, mais j'ai tiré trop tôt en fait. Ce qu'elle peut bien être. Elle s'est barrée. Pas l'atteindre là où elle est, hein. Je sais pas ce qu'ils attendent, hein. Voilà. Now move in and finish your boss.
She's working for Cypher. Quiet is a valuable source of information, boss. There's no need to kill her. Think carefully. This is your decision. Attends, quoi? Indéterminé. Je comprends pas. Faut que j'aille la chercher, elle est là-bas, non? Elle est pas là-bas? Bon, attendez, je vais aller là-bas, là au point où ils me disent. Parce que peut-être que là où elle se plaçait, c'était des endroits inaccessibles, donc... ouais, c'est ça. Donc du coup, ils ont fait en sorte qu'on puisse quand même la voir que... Là, tu parles, les gars, c'est mort. Oh, la gamine. Franchement, cette phase de gameplay était très très cool, les gars. Support helicopter. You're not thinking of bringing her back here, are you? She works for Cypher. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good work. Justement. Can't believe you took her down alive. Ah non, l'hélico il arrive. Let's find out what she really is. This is too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. I'll send the extraction chopper. Right. You know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. T'as pas intérêt sinon c'est toi que je bute. Arrête de bouger, hélico. Let's go. Allez, retour à la base. Avec de nouvelles ressources. Et une femme pleine de surprises. Boss, tu regardes un peu trop... Je pense que tu zoomes un peu trop sur, sur ces parties. pas que je juge boss, hein, mais... non.
Tyran S, ouais, ça m'étonne pas. Plus 1660. Ah ouais. Vraiment, à part le fait de devoir mettre 1000 ans à aller jusqu'à la quête était trop cool. Élément d'emblème obtenu. Ok. Élément d'emblème avant-cœur décoré. Ok. Ça me sert à rien ces trucs-là. Avion. Oh là, ça sent mauvais. Hein. Notre hélico, là, il va se faire abattre. Hein. Confirm, one bogey on our six. Steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Oh, on va utiliser la mitrailleuse. Là, c'est catastrophique. Allez, boss. Elle était toujours là. Bah voilà, elle nous a sauvé la vie. Ben si fait, laisse-moi faire. Moi, je veux le gros gun. Là, par contre, c'est quoi? Ah, yeah. Il a deux légendes, l'avion, face à lui, hein. Ah ouais, faut jamais faire chier un sniper. Hein. Merci. Les gars, si on l'avait pas sauvé, ça aurait été fin de game. Hein. Il y a un traître parmi les gens de Mother Base là?
Ah, c'est en alerte rouge la base. Ils peuvent même pas savoir où est-ce qu'elle est. Ils osent même pas l'approcher. Hein. Boss, you are going to regret this. Par contre, je sais pas où elle va. That woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes. I'll pull the trigger.